Action. 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 Ça tourne. Malheureusement, je sais plus si je me suis enlevé. Si tu veux. Non, on est sur le tournage de Jean Y, donc on n'a pas commencé, on attend encore Enzo qui joue le geek. C'est le petit moment sexy. Voilà, c'est le petit moment... Là, normalement, Clément, il doit être tout rouge. Ça se voit au niveau des oreilles. Non, pas du constaté. Tout. Action. Ta gueule. C'est le mucho gracias. Le meilleur ketchup mexicain. Communiste. Je vous dis. Attends. Ah, je vous dis, je vais vous écraser. C'est bon, tu peux écouter. Ok, ça tourne. Action. Il lui faut juste ça et toi, tu fais. Enzo. Bienvenue à la question. Quelle question? La question. Action. Chinois. Je vais avoir calage d'en fait. Non mais arrêtez, pas les deux en même temps quoi. Non. Ah oui, mais, mais baisse la tête, je suis pas assez grande pour aller jusqu'en haut sinon. J'adore. Ah, vous faites les Russes. J'adore vraiment. On fait le... Vous précisez. Action. Bon. Vous donnez réponse, moi me fâchir. Ah, un blond, regardez-le. Tu fais ah, c'est pour le volume maxi. Go. Hein, on voit bien qu'on est dans un navire. Action. Attends, tout à l'heure, ça m'a gêné. Bon voilà, c'est parfait. Ok, bon, on l'a fait. Là, c'est parfait. Ça tourne. Là, c'est parfait. Je suis pas mort. Ce truc est fait avec une boîte à chaussures et c'est l'avenir de l'audiovisuel. Puissance del mucho, la puissance de la pensée, el mucho. Franchement, je sais pas. Action. Action. Ça c'était magnifique. Ah merde. Bravo toi. For the shooting, for pour le tournage du film Agent Y. We had made, we just wanted to make on voulait juste fabriquer beaucoup d'argent. We just for the big pour le gros le gros. Attends les gars, on est obligé de parler en anglais en fait parce que moi je sais pas quoi. Je sais pas, mais tu vois ça fait américain, ça fait. Ouais mais voilà, moi je suis con. Bon bref, ok alors. Que vous voyez pour le scénario. Imaginez ça, c'est notre ouais non. Voilà ça c'est notre scénario. Encore c'est un peu gros. Parce qu'en fait on a totalement improvisé. Mais bon, faut avouer quand même que certains personnages comme le geek ici présent, qui arrive d'ailleurs, a un certain talent d'improvisation, donc nous avions très très peu de paroles. Très peu de budget. Sachant que mon talent d'acteur est très réduit, nous avons compté sur l'improvisation de cette personne. Un grand merci. Et pour le son du coup, la qualité sonore. Ah ouais, le son quoi. À la prochaine. Allez, salut. C'est une des vidéos sur lesquelles on a le plus d'effets spéciaux chez Cubix hein, pour le moment. C'est-à-dire qu'After Effects a détruit mon ordi plusieurs fois durant le montage de cette vidéo. Pour le son, voilà. On a perdu beaucoup de bandes son, donc on a été obligé d'utiliser la bande son de la caméra qui filme actuellement. Donc bon, pour une caméra, elle a un très bon son, donc ça c'est quand même bien goupillé, mais voilà quoi, c'était pas super.
C'est l'interview pour Boniface Lalimas, on a un peu enterré sur la Lune. Ah oui, agent Y. Oui, alors il faut savoir qu'au début, j'étais pas chaud pour tourner dans ce film. Mais comme le réalisateur avait des photos de moi, des photos de vacances avec David Pujadas, vu que j'étais dans une situation un peu précaire, j'ai pas pu refuser. Du coup, voilà, j'ai dû jouer un Russo Blédard. Un Russo Blédard, ya. Yeah. Alors, dans Agent Y, j'ai joué le geek. Normalement, j'étais censé être payé. Mais bon, j'attends toujours ma facture. Du coup, je fais du bénévolat alors que je n'étais pas consentant. Je ne suis pas d'accord. J'arrête de filmer maintenant. Mais il faut savoir que dans la vraie vie, je ne suis pas un boulet comme ça. Il faut vraiment savoir. Bon, j'y vais, moi. Je suis pas un boulet, ok? Tu te calmes. Je suis pas un boulet.